Bonsoir à toutes et à tous, et aujourd'hui on va faire une vidéo du test de mon avis personnel sur Hunt Showdown. Donc j'ai décidé de lancer une petite game quick play, pour ceux qui connaissent pas, c'est une game qui se joue tout seul très rapidement, pour vous parler un peu rapidement du jeu. Donc c'est pas vraiment une vidéo sur le gameplay de ce que je vais faire en direct, hein. Il se peut que je vais crever au bout de 5 minutes. Donc je vais parler de ce jeu pour ce 12e épisode. Je vais donner ma note qui sera dans le descriptif dans la vidéo. Et je tenais à le faire maintenant parce que tout simplement ce jeu me fait kiffer. Plus j'y joue, plus j'ai envie d'y jouer encore. Et à tel point que j'ai fait une grosse pause sur Escape from Tarkov parce que ce jeu me bourre un petit peu. Et donc tout bonnement, on va parler de plusieurs points, hein, aspect technique au niveau jeu. Attends, je vais niquer ce truc si j'y arrive. Enfin, c'est pas vraiment ce qui est conseillé de faire. En termes de description, c'est zéro. Donc déjà, on va parler d'un aspect graphique. Donc graphiquement, le jeu est beau, hein, y a rien à dire. Prendre ça. Le jeu est beau, malgré que, voilà, moi j'ai, en termes de graphisme, voilà, j'ai mis en faible partout. C'est pas une question de configuration qui est mauvaise. C'est pour avoir un maximum de... Je vais rester... Pas très bien ce que je fais, je vais le regretter. C'est juste pour avoir un maximum de fluidité d'FPS au niveau de mon logiciel de record. Et donc du coup de précision aussi. Voilà. Donc graphiquement, même en minimum, il est magnifique le jeu. Y a rien à dire. Des fois, je vais avoir des petits moments de pause comme ça. C'est parce que je me focus sur le son. Et donc, graphiquement magnifique. Moi, ce qui me plaît le plus dans ce jeu, c'est le son en fait. Écoutez, on va faire genre 30 secondes sans que je parle et vous allez voir que le son. Attendez, j'ai un chien. Ah. Vous allez voir que 30 secondes, c'est juste magnifique. Vous voyez, là, il n'y a pas trop. C'est pas un parfait exemple, mais quand on est sur du parquet et tout ça. Ouais, je m'en bats les couilles des canards. Quand on est sur du parquet et tout, c'est juste. C'est juste... Primissime. J'ai un petit moment d'absence. Oh. Donc, au niveau sonore, je le trouve juste magnifique. Quand il y a de la fight, quand il y a vous savez, de l'écho qui est fait avec la distance et tout, c'est juste superbe. Attends. Refuse. Vous voyez, là, ça tire. Et en temps, en fait, c'est genre, c'est à moins à 200, 300, 400 mètres, quoi, le fight. Encore. On va utiliser ça pour le fight. Ah, je suis du bruit. Tac. Au niveau de la fluidité du gameplay, tout ça, bah pareil, c'est plutôt pas mal. Y a encore quelques petits coups de lag de temps en temps. Ça doit être amélioré. Mais en soi, ça va. Je vais prendre ça. J'ai un chien qui me lèche. Ok. En termes de contenu, donc depuis sa sortie, il y a là, en ce moment, ils ont pris le goût de l'argent, ce qui est normal. Ils ont sorti des DLC avec des personnages un peu chers, justement pour que des personnages. En termes de contenu, il n'y a que deux maps qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Ils prévoient une troisième map prochainement, deux nouvelles armes dans les jours à venir. Mais à part ça, c'est assez lent parce que le jeu existe quand même depuis pas mal de temps maintenant. Donc c'est vrai qu'on aurait aimé avoir un peu plus de. Voilà, un peu plus de réactivité, tout ça. Ouais, y en a qui vont me détester. Je vais prendre ça.
Oh, pas de PVP, à mon avis, je vais mourir, mais ça me tient assez bien. Et toi, tu passes sur ton panier. Pas de carreau, bah oui, mission spéciale, mais moi j'ai pas de mission spéciale. La boîte est complètement buggée. Descends le chien. Donc, on va continuer à parler de ça. Au niveau des joueurs, donc, la communauté est plutôt pas mal. On est en moyenne sur 4000 joueurs connectés au quotidien. Les week-ends, on peut monter à 8000, 10000, ça dépend. Il faudra vraiment qu'ils annoncent des nouvelles mises à jour pour que ça remonte en pic. Vraiment, ils méritent plus, en fait. C'est pour ça que je m'investis énormément dans ce jeu. Parce qu'ils méritent vraiment beaucoup, beaucoup plus. Il est, pour moi, c'est le meilleur jeu. C'est le meilleur jeu pour moi du moment, depuis même un moment. Et pour vous dire qu'il me fait plus kiffer que Escape from Tarkov. Et donc là, vraiment, c'est que. Voilà. Il est très, très punitif aussi, hein. Pas autant qu'Escape. Je rappelle que si vous mourrez, vous perdez votre personnage et vos stuff. Ça va commencer à tirer là-bas. Ouais. Ah, je crois que j'ai tiré une pute. J'ai pas ça des putes, moi. En termes de. Prendre ça. Ah, non, il m'a lâché le. Mais pourquoi il me. Voilà. Donc il mérite vraiment à avoir beaucoup plus de joueurs en fait, hein, clairement. Il s'est endormi. et c'est pour ça que je vais continuer à faire beaucoup de vidéos et améliorer mon contenu. Et faire beaucoup plus de montage. Là prochainement vous allez avoir beaucoup de compilations de PVP. Et puis une fois que je serai un peu plus expert dans la matière, je vais faire des vidéos sur des conseils en français, etc. Un peu comme je vais faire exactement pareil avec Escape from Tarkov. Et puis voilà, j'espère que ça va attirer le monde. Et surtout, n'hésitez pas à acheter le jeu parce qu'il est vraiment génial. Ah putain, il m'a mis le coup. On va pas tarder à avoir le final. En tout cas, niveau bande sonore, donc parfait, enfin, très bien, super, c'est son plus gros point fort. Niveau ambiance, on est vraiment dans l'ambiance apocalypse, zombie, western. On est à fond dedans quand on fait pas les bourrins comme je fais moi. C'est vraiment très jouissif. Parce que là je crois que j'ai fait n'importe quoi encore. On a vu, je vais mourir tellement bêtement. Que dire d'autre? Il y a plein de choses à dire sur Tarkov. Ah, j'ai pistolet roux là-dessus. Tac, là, j'ai le pouvoir. Donc là, ça va être le moment fatidique. Tu meurs, toi, mon pote. On va être bien là. Donc, moi, en fait, ce que j'ai kiffé, c'est cet aspect, en fait, où il y a le gameplay fait en sorte que c'est pas que du rush uniquement. C'est quoi qui m'a... C'est quoi ça qui me fait ça? Je peux tirer dessus en silencieux? C'est quoi ça? C'est quoi qui me fait ça?
Ah d'accord, ok, ça bug, c'est ça. Ok, très bien. Du coup, oui, donc ce que j'aime bien, c'est que il y a cet aspect qui, il n'y a pas de rush en fait, il y a pas de, c'est pas que du rush ou c'est pas conseillé. C'est beaucoup, voilà, jouer doucement, beaucoup skill. Et puis ce qui me dérangeait un peu plus, enfin ce que j'aime bien, c'est cet aspect où les armes sont pas overcheat, vu que c'est une époque qui est très ancienne. Pas comme Tarkov où là, une fois que tu pars avec une M4 ou une HK416 full modée, c'est terminé, c'est peux tuer n'importe qui avec des armures, etc. Là, non, c'est un peu plus simple. C'est plus joli. Et moi, ils vont me rusher, les mecs. Il y en a au moins 3. Hein. C'est presque vide. Ah oui, c'est vrai, il faut pas que je reste là. J'ai oublié que là, ça c'est pas bon. Du coup, il y a cet aspect un peu moins rush, moins bourrin qu'il y a. En bas aussi. Donc là, au niveau des filtres et de la caméra blanc, comme ça, c'est moi qui l'ai ajouté, hein. Faut que j'aille là, c'est vrai, faut pas que j'aille là. Il reste 60 secondes. Donc globalement, je vais lui mettre une bonne note, hein, et un bon avis parce que ce jeu mérite qu'à être connu et c'est grâce à vous. Ça devient le bordel ici. Je sais pas si je vais survivre. Quoi qu'il arrive, au niveau des points, j'ai gagné. Au niveau de humainement. Humainement que je vais peut-être pas gagner. Comme ça. Comme ça, 24 secondes. Et voilà. Yes, je suis survivant. Donc, globalement, je vous invite à fortement l'acheter, je vous le conseille vivement, ce jeu est juste méga, méga, super bien. J'adore, je suis un grand fan, ça mérite beaucoup plus de joueurs que ça. Voilà. Je vous dis à très bientôt maintenant pour une game du coup. Je vous dis abonnez-vous, commentaire. Dites-moi ce que vous pensez du jeu, vous-même en retour. Et si vous avez des bons plans, des petits trucs là, bah, n'hésitez pas à m'en faire part sur le jeu. Voilà, je vous dis à très bientôt. Banzai!